I have to lead them to look for a better future, a better tomorrow. So the main reason why I leave my country is because of hardship. There's no food, no money, no good health. I never knew that the vessel was that bad. I never knew that it would take me this long to get to where I'm going. So the vessel kept on moving. Day one, no stopping. Day two, no stopping. Three, no stopping. Then we kept asking ourselves, where is this vessel going to? Because I've never experienced that kind of long distance. On the 10th day, we ran out of food. And the vessel still kept on. What are we going to do? And this vessel is not stopping. Then I turned my ear to hear a sound of engine boat. And I looked, I saw the boat. And I started screaming, hey, please help, help, stowaways. And then he said, okay, no problem. Let me get you food and water. That is when they came and bring water, and then they bring some bread and sugar to us. So the guy was like, wow, this is Brazil. You're welcome to Brazil. And then they took us away. Yeah, I have a great hope, bigger hope, that something good is coming ahead of me. Le travail, ce n'est pas facile en Côte d'Ivoire, c'est dur parce que je n'ai pas de travail. Et puis, ils ont fermé de la main, je n'ai pas de travail. Bon, je vois que je ne fais rien là-bas. Bon, un ami qui m'a parlé que non, si c'est quoi, on doit aller devant. On doit aller à l'aventure pour aller se chercher. C'est derrière bateau, lui, il est derrière bateau, où il y a les moteurs. Où il y a les moteurs parce que là-bas, il faisait bruit. Quand je parle avec mon ami, même là, je dois crier d'abord avant qu'il va attendre. Si il n'a pas crié, il n'attend pas parce qu'il y a des bruits là-bas. Bon, nous, on voit de l'eau. Où on était, on voit de l'eau, c'est derrière bateau. Ah, Brésil. Bon, nous, on pense que le bateau-là s'en va à l'Amérique. Il dit, OK. Bon, ils vont nous amener à la migraine. À la migraine, ils vont nous retourner en Afrique. C'est ça, moi, j'ai choisi que non, moi, où je suis arrivé, je ne peux pas arriver en Afrique encore. Les gens qui m'ont accueilli ici, je vois que c'est bien parce qu'ils nous donnent la nourriture, ils nous donnent à dormir, ils nous donnent le coin pour se laver. Bon, ils sont bien.